Hey, arigato. Ok, tout le monde. On part tranquillement. Et Konachi. Et tout doucement. Bascule devant. Bascule derrière. Tranquillement. Avec la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Quand vous sentez que vous êtes sur un mouvement qui est fluide, dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous sentez qu'il n'y a pas d'arrêt, vous commencez tout doucement à bouger vos mains le long de vos cuisses, sur l'avant des cuisses, sur l'expiration quand le corps tombe devant, et légèrement sur le côté quand on part sur l'arrière. Et que ce mouvement de bras ne viennent pas perturber votre mouvement de corps. C'est un mouvement qui se rajoute, mais qui fait partie du premier mouvement. Il n'est pas à côté, il est avec le premier mouvement. Donc au final, on n'a qu'un seul mouvement. On va se rajouter un troisième mouvement, mais qui, pareil, va s'intégrer aux deux premiers. De manière à ce qu'au final, on n'ait qu'un seul mouvement, c'est le fait légèrement de fléchir les genoux quand on est vers l'avant et de les tendre quand on est vers l'arrière. Tranquillement. Et on ramène. Je rappelle que votre respiration ici, elle est fondamentale. On expire quand on va vers l'avant, on inspire quand on va vers l'arrière. Ne pensez pas à les notions de muscles, pensez à votre structure osseuse. Essayez de percevoir les os dans votre corps. Et c'est les articulations qui, en se libérant, permettent le mouvement. Les muscles, ils aident, ils maintiennent un petit peu, évidemment, mais on est sur un travail d'articulation. On libère les articulations et cette libération permet un mouvement avec le souffle. Tranquillement. Respirez bien. Et on ralentit un petit peu. On reprend la structure du départ. De nos trois mouvements mélangés en un, on repart sur deux mouvements mélangés en un. Et on termine par un seul mouvement d'avant-arrière, fluide, tranquille, décontracté. On arrête de balancer devant-derrière, mais on est encore en mouvement. Il y a toujours du mouvement parce qu'il y a toujours de la respiration. Donc, même quand je suis apparemment immobile, j'ai toujours du mouvement dans mon corps parce que j'ai ma respiration. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il n'y a jamais d'arrêt de mouvement. Même si en apparence on est arrêté, il n'y a jamais d'arrêt de mouvement. Et ce soir, ce qu'on va travailler, c'est cette notion-là, cette notion d'un mouvement qui ne s'arrête jamais. Et tout doucement, on prend les épaules et on les amène devant. Les épaules, donc pas les mains. Les mains, elles sont tombées, soumises à la gravité. C'est mes épaules qui partent un peu derrière et qui monte un peu devant. Elle part un peu derrière, elle monte un peu devant. Donc vers l'avant, les épaules bougent. Pas la peine de faire de grands mouvements. Quand mes épaules montent, je suis sur une inspiration. Quand elles retombent, je suis sur une expiration. C'est ça qui est le plus logique pour le corps.
Essayez d'avoir votre respiration qui suit ce mouvement-là. Inspire, expire. Inspire, expire. Tranquillement. Et petit à petit, on essaye de voir si ce mouvement d'épaule permet au corps de bouger si on le laisse bouger. Donc petit à petit, essayez de laisser bouger le corps avec cette sensation de mouvement. Donc les articulations se libèrent, on garde notre mouvement d'épaule, et le mouvement d'épaule entraîne, crée, met en place un mouvement de corps. Et toujours pareil, je monte les épaules, j'inspire, je relâche, j'expire. Et on reprend tranquillement. On est apparemment immobile, mais il y a toujours un souffle, donc il y a toujours du mouvement. Et on fait la même chose avec les épaules qui vont monter vers l'avant et descendre vers l'arrière. Je répète, hein, ce n'est pas mes coudes qui montent, ce n'est pas mes mains qui montent, c'est vraiment mes épaules. Donc je peux avoir les mains qui frottent le long de mes cuisses tranquillement, c'est mes épaules. Vers l'arrière, devant, derrière. Et toujours mon souffle, je monte, j'inspire. Je lâche, j'expire. Et pareil, petit à petit, votre mouvement d'épaule va créer du mouvement dans le corps, une sorte d'ondulation, et vous laissez faire tranquillement. Tranquillement. Hop. 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 Et on repose tranquillement. On va travailler simplement en position Ekodachi, tout doucement. Et on va s'amuser à la chose suivante. Je vais venir bouger mes bras d'un côté et de l'autre côté. Ça marche? Doucement. Doucement. Mon bassin tourne tranquillement. Mes épaules ne bougent pas. Mes épaules sont posées sur mon bassin. Je bouge, je lâche. Je bouge, je lâche. OK. Mon bras gauche ici, c'est comme s'il venait dégager quelque chose. Et mon bras droit, il est devant, comme s'il venait couper quelque chose. Hop, je change, hop, je change. Et c'est pareil, on se fait ce travail-là, avec de la respiration, avec du souffle, mais on n'arrête pas le mouvement. Il n'y a pas d'arrêt. On laisse faire. Ich, ni, san, chi, go, bok. Sitch, hatch, ko, ju. Et on repart tranquillement. On ouvre un tout petit peu plus large nos pieds. Et tout doucement, on va basculer de ce côté, un côté, avec mon fémur qui va venir pousser tranquillement ici. Ok, donc je suis avec le bassin qui est venu légèrement à 45 degrés. Et je ramène et je change de côté. 45 degrés, tranquillement. J'inspire et je relâche à 45 degrés. J'inspire, j'expire et je relâche à 45 degrés. Ça marche? Et on continue comme ça. 1, 2, 3. Mon genou ne va jamais dépasser, il restera au maximum au-dessus de mon pied. Et je change, donc le fémur pousse, je suis reparti. 1, 2. Donc, libération côté gauche du bassin, mon fémur s'accroche du côté droit. Je libère le côté gauche. Côté gauche est libéré. Mon fémur ici commence à pousser. Parce que le côté gauche est libéré, hop, ça repasse ici. Hop, on libère le côté droit. Je pousse le côté gauche. Je libère le côté gauche. Je suis libre. Je pousse le droit. Tranquillement. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Et pareil, mes épaules sont sur mon bassin. Tranquillement. Et mes bras sont posés devant. Donc quand je bouge le corps, quand je bouge le bassin, quand je bouge le fémur, mes bras suivent. Mais mes bras font rien, ils suivent simplement le mouvement du corps. On va penser la chose suivante. J'ai les bras qui vont venir de ce côté. Tranquillement, ils montent. 1, 2. Là, je ne travaille que du côté droit. 1, 2, 3. 4. Pareil, mes coudes ne bougent pas beaucoup, ils suivent mon corps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais la même chose de l'autre côté. Je monte tranquillement. 1, 2. C'est bien, libération du fémur gauche, pousser le fémur droit, le bassin va tourner.
et mon corps, comme si ça montait, comme si ça montait, mes bras montent, mon corps lui reste bien en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend le mouvement dans l'autre sens. Je monte et une fois que je suis ici, je vais laisser tomber. Ça marche, je monte. 1, relâche. 2, l'autre côté, monter, lâcher. Monter, lâcher. Monter, lâcher. Monter, lâcher. Monter, lâcher. Monter, lâcher. Each, me, song, chi, go, hok, each, h, go, ju. On se fait encore cette série-là. Tomber, monte, lâche. 1, 2, mes bras font comme si je faisais un 8 avec le bout de mes doigts. Up, 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 up. Et on libère bien le bassin. Each, me, song, chi. Go, rock, finch, hatch, go, jou. On se fait le même travail. Cette fois-ci, je vais avoir le bras qui monte, qui tombe et qui remonte. Tombe, monte, tombe, monte. Each, ni, san, chi, go, rock, finch, hatch, go. Je joue encore une série. Each, ni, san, chi, go, rock, finch, hatch, go. Et on revient tranquillement. Donc je rappelle, c'est un mouvement de corps ici au niveau du bassin et tout le reste du corps va suivre. Ce n'est pas mes bras qui bougent n'importe comment, ce n'est pas ça. C'est mon bassin qui fait bouger mes bras. Mon bassin bouge, mon bras bouge. Bassin, bras, bassin, bassin, bras, pitch. Ça bouge tranquillement. Ok, on reste un petit peu Ekodachi, on bouge tranquillement. Le bassin, l'autre côté, la tête, tête, sans que le bassin bouge trop, l'autre sens, et les deux ensemble, tête et bassin, each, ni, san, chi, go, et l'autre côté, each, ni, san, chi, go, et on revient tranquillement, on repose. Parfait. On va s'amuser sur un travail de hanche dont on servira tout de suite après. On est en Ekodachi. Je vais mettre mon pied gauche un peu devant mon pied droit et je suis pas en Zenkutsu ouvert, largeur d'habitude. Je suis en Zenkutsu, demi-Zenkutsu Dachi, le Zenkutsu traditionnel. Comme à Okinawa, donc je suis pratiquement sur une ligne. Mon bassin est droit ici tranquillement. Je pose mes mains devant le corps, au niveau des épaules à peu près. C'est OK. Et tout doucement, je vais bouger mes mains devant mon corps. OK. Les mains devant le corps. Comme la distance entre mes mains ne change pas, je suis obligé de faire un mouvement qui est circulaire. Sinon, je vais faire des trucs bizarres. Non, c'est posé. Et juste le haut du corps qui bouge. Donc là, en fait, c'est vos omoplates qui bougent dans votre dos. Le corps ne bouge pas, hein. C'est bien que les omoplates qui font bouger les mains. Ich, mi, san, chi, go, ok, sich, hach, ko, ju. Et on garde la position. Je ne bouge plus les mains et tranquillement, je vais faire tourner mon bassin. La tête ne bouge pas, c'est que le bassin qui va tourner. Il tourne d'un côté, il tourne de l'autre. Il tourne d'un côté, il tourne de l'autre. J'ai le droit de bouger mes genoux ici. Hein. Je peux tout bouger, simplement ma colonne reste bien verticale. Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Et au fur et à mesure, vous détendez tout ça, sans que les mains ne bougent. Le bassin qui bouge, il tourne. Là, on a un bassin qui est en rotation complète. Hop, hop. Je peux bouger mes genoux. Mon genou avant, mon genou arrière, tout ça, ça peut bouger. Je me sers de mes articulations pour tout bouger. Et je reprends ma posture tranquillement ici, je garde mes mains. Cette fois-ci, je vais bouger le bassin, mais je vais garder toute la structure de corps accrochée. Donc si je tourne mon bassin, maintenant je vais tourner mes bras. Et pareil, je laisse partir mon bassin.
Je peux me servir de mes articulations de genoux, de fémur, de cheville. Donc, tout peut bouger. La seule contrainte, c'est que mon dos reste bien vertical, ma colonne reste bien droite ici. Et je n'ai pas de torsion dans ma colonne. C'est-à-dire que ma colonne suit le mouvement du bassin. Je n'ai pas de vertèbres qui se tordent les unes sur les autres. J'ai cette sensation d'être droit, posé, stable, et il n'y a pas d'arrêt. Ok, j'arrête pas. Mon mouvement, je respire, mon mouvement est fluide, mais je suis présent. Oui. Un, six, go. Ok. Sitch. Hatch. Go. Ju. Et on ramène tranquillement Ikodachi. On reste un tout petit peu. On voit ce qui se passe. Je sens bien mes pieds au sol, tranquillement. Et je change de côté. Jambe droite devant. Pareil, Anzen Kutudachi, la position traditionnelle, tranquillement ici. Je pose mes mains et je vais travailler que le haut du corps. Donc il n'y a que mes omoplates qui bougent. Alors qui dit omoplate qui bouge, bien sûr, dit aussi clavicule, évidemment. Mais je n'ai pas de colonne qui bouge, je n'ai pas de bassin qui bouge. Pas la peine de faire un grand mouvement. En revanche, il n'y a pas d'arrêt. Ce n'est pas robotique, ce n'est pas un, deux. Ça ne s'arrête pas. J'ai mon souffle et le mouvement ne s'arrête pas. Sentez-vous bien stable. Le bassin ne bouge pas, donc les pieds ne bougent pas, les genoux ne bougent pas, que le haut du corps. Et on reprend la posture, on ne bouge plus les mains. Et on va s'amuser juste à bouger le bassin, tranquillement, sans bouger les épaules. Sans bouger les épaules. Le bassin, mes genoux peuvent bouger d'un côté, de l'autre. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. On rejoint un peu ce qu'on avait fait l'autre fois avec nos histoires de fémur. Mais on est tranquillement ici. Et le dos reste bien droit, surtout. Sans bouger vos mains. Vous sentez la liberté qu'on peut obtenir dans le bassin avec les fémurs. Et on est tranquille. Ici, 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 ici. On reprend la posture. Je vais bouger mon bassin. Et cette fois-ci, mes deux épaules vont être plantées sur mes crêtes iliaques ici, sur mon bassin. Et donc, en bougeant le bassin, je vais bouger le haut du corps. Ça marche. Hop, tranquillement. Et pareil, j'ai le droit de bouger mes genoux. J'ai le droit d'être tranquille au niveau de mes jambes. La seule contrainte que j'ai, c'est mon haut de corps qui est un seul bloc et mon dos qui reste droit. Quand je dis droit, c'est vertical. Un dos est jamais droit. Bref, on se comprend. Tranquillement, et on y va. On tourne, et on y va. On tourne. Et vous restez bien centré, hein. Vous ne partez pas dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Non, 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 on est enfoncé. On est enfoncé là-dedans. Boum! On est enfoncé, ça bouge, mais on est enfoncé, le corps est enfoncé, mais les pieds ne sont pas enfoncés dans le sol, c'est que mon ventre qui s'enfonce, mes pieds ils sont relâchés, je suis stable. Quand je dis enfoncé, ce n'est pas que je veux percer le sol, hein. Ça veut dire que je suis lourd sur le sol, mais léger sur mes pieds. Bizarre ça. Et tranquillement, on y va, on bouge, sans s'arrêter. Il y a un souffle, donc il n'y a pas d'arrêt. Il y a un souffle, donc il n'y a pas d'arrêt. Et on ramène tranquillement et on reprend une position. Ça va? Là, on est en train de travailler au niveau du bassin. Le bassin qui bouge, qui tourne complètement. Donc là, c'est un bassin qui tourne. Maintenant, on va travailler un bassin qui s'ouvre et qui se ferme, qui s'ouvre et qui se ferme, mais sans tourner. Donc c'est compliqué comme sensation. On va essayer la chose suivante. Le fondamental ici, c'est que quand je suis dans une position, par exemple, je vais prendre pareil, une sorte de petit Zen Butsudachi, je suis bien là, pas trop sur une ligne, pas trop ouvert, sentez-vous bien ici. Le fondamental, c'est que mon genou gauche ici, qui est devant lui, il ne bouge pas. D'accord? Le genou gauche ne bouge pas. Mon fémur gauche ne bouge pas. Ce qui va bouger, c'est mon bassin ici et là. Mais par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure, je n'ai pas la possibilité de bouger mes genoux. Je ne vais pas bouger mes genoux. Non. Je vais garder mon fémur ici, dans cette position, et mon bassin va tourner autour. Ok? Mon bassin tourne autour.
le bassin tourne en tour, il s'ouvre ici. Il s'ouvre et il se referme. Il s'ouvre, il se referme. Il s'ouvre, il se referme. Le genou ne bouge pas, le fémur gauche ne bouge pas. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. De ce côté ici, là, tranquillement. Là, ça ne bouge pas. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. J'ai mon fémur ici qui est rentré, comme on a vu l'autre fois. Il me tient bien, je suis stable ici. J'ouvre, donc je libère. Et je ferme. Je libère et je ferme. Je libère et je ferme. Et on joue à ça. Ich, ni, sans, chi, sans bouger le fémur gauche. Go, loco, zichi, achi, ku, chu. On essaie de garder le bassin droit. Souvent, quand on fait ça, on va monter vachement ici. Non, on essaie de l'avoir en bas. C'est pas évident, mais on tente ça. Il reste bien bas, il reste bien droit. Hop, hop, et le fémur. Hop, et le fémur. Et on reprend. Et Kodachi tranquillement, restez un peu debout. Relaissez le sang circuler dans vos jambes. Et on change, on se fait l'autre côté. Donc, jambe droite devant. Même principe. Mon genou droit ne bouge pas. Mon fémur droit ne bouge pas. Tout ça, c'est planté. Toute cette partie-là de mon corps est plantée. En revanche, tout le reste ici peut être libéré. Okay. Donc, ma jambe droite plantée, immobilisée, le reste du corps va être en mobilité. Et la première mobilité que je vais avoir, c'est celle de mon fémur. Pardon, de mon bassin. Désolé, de mon bassin. Okay. Donc mon bassin, voilà, il va tourner, là, tranquillement. Mais en fait, il ne tourne pas, là, puisque j'ai un fémur bloqué, donc il ne tourne pas vraiment. Et donc, il s'ouvre, hop, et il se referme. Il s'ouvre. Se referme, il s'ouvre, se referme, il s'ouvre, se referme. On ne bouge pas le genou du tout, hein. Fondamental. Et on ne penche pas non plus, on reste stable, le dos droit. Hop, hop. Après, il y a une question de souplesse aussi, un sensei il peut nous faire des trucs terribles là-dessus. Chacun bosse à son niveau de souplesse, on ne veut pas aller loin. Ce qu'on veut simplement, c'est sentir l'idée du mouvement. Sentir l'idée du mouvement. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on reprend tranquillement notre structure de corps. OK. Donc, tout ce qu'on va faire là, on va l'utiliser pour la suite du cours. On va essayer de travailler ce soir des notions justement de pas d'arrêt de corps, donc de mouvement, de déplacement, sans que le corps s'arrête de manière brusque. Je ne sais pas si je vais réussir, mais on va essayer. On va faire ça sur des enchaînements de mouvements. Donc, on va y aller progressivement. Et au fur et à mesure, on va comprendre des choses, j'espère. On reste position Ekodachi tranquillement ici. On va se faire un truc extrêmement formel. Pour l'instant, extrêmement formel. Le très formel, c'est de se dire, je suis en Ekodachi, je fais un Mageli, je repose, et depuis, je fais... un tsuki bras gauche avec mon équité. Et je ramène. Ça va ? Donc là, c'est du formalisme pur jus. Keri, posé, armé, tsuki chudan. Et on repose. Ça marche ? Ça, c'est de la forme. On fait la forme. Un, deux. Et on repose. C'est vachement bien la forme. Un, deux. Et on repose. Vous feriez ça, on se le fait 10 fois de suite, s'il vous plaît. Et pensez bien, là, on pense à la forme. Comme on a l'habitude de faire, on est parti. Et à chaque fois, on ramène bien l'équité. On ramène bien l'équité, on prépare le mouvement, on y va vraiment doucement. Ich. On reste du même côté pour l'instant. Ni. San. Chi. Go. Roku. Seichi. Achi. Ku. Ju. Et on reprend. Ça va? Ça, c'est de la forme. On reste sur de la forme avec le même mouvement, mais on part en position
Zen Kudachi. Donc pareil, je suis vraiment en forme super basique. J'ai mes bras en bas. Maigeri. Je pose devant. J'arme. Gakutsuki. Je reprends. OK. Formel. 1. 2. Poser. Armer. Lâcher. Et on reprend. Ich. Ni. San. Et on reprend. Ça va ? Formalisme. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est casser cette forme. Casser cette forme et créer du mouvement. Donc, la première chose qu'on va faire pour ça, c'est oublier l'équité. On oublie l'équité. Je suis avec mes bras posés devant, tranquillement. Posé. Point fermé, si vous voulez, pas crispé. Et je vais simplement travailler ici. 1, 2. 1. Pas d'équité, pas d'équité. Juste là, quand j'ai posé le pied, je lâche et ça revient dessus. Dans nos katas, souvent, on a ça. Hein. Ça sert à ça. Frapper, ça ramène. De suite. Donc, on s'amuse juste à ça. On essaye tranquillement ici. 1, 2, et ça revient. Itch. Ni. San. Chi. Go. Roku. Seichi. Achi. Ku. Chu. Ça marche. Mon bras droit ici, il n'a pas bougé. Il reste stabilisé. Il n'est pas mort. Il n'est pas crispé. Il reste vivant. Mais il ne bouge pas. OK. Même travail, même chose, même sensation, avec un petit maigeri en position Zen Kudachi. Je suis tranquillement en garde. Je lâche. Mon bras, il a bougé ici. Mon bras droit va suivre le mouvement de mon corps sur un maigeri. Donc, je reste en garde ici. La garde est là. Je suis le mouvement de mon corps. Donc, j'ai ma main gauche devant ici. Voilà, donc on se fait le même travail. On est ici. 1, posé. Posez bien le corps. Ça reste ici. Et on lâche Gakutsuki. Et on reprend. Et on ramène. En réalité, 1, 2, et on ramène. On reste bien en garde avec la main droite. 1, 2, et ça revient. Et on repasse. 1, 2, et ça revient. Ça ne vient pas en équité. Hein. Ça lâche. Simplement ça. OK ? On se le fait un peu plus vite. Itch. Ni. San. Chi. Go. Et on reprend notre position. Donc, simplement pour dire que il faut qu'on s'habitue progressivement à ce que l'équité, c'est un exercice qui est fondamental, qui est basique et fondamental, mais que parfois, on le met de côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la sensation de l'équité. Il y a une sensation de l'équité. Il se passe quelque chose dans mon bras. Il se passe quelque chose. Mais je ne vais pas être en antagoniste avec l'autre. OK ? On essaye ça pour ce soir, simplement cette notion-là. On va complexifier un peu les choses, parce que là, c'est du trop facile. On va se faire le même mouvement, mais on va imaginer qu'une fois qu'on a posé un pied, le corps va continuer à faire un déplacement. Donc pour ça, on va y aller doucement. On va juste s'amuser à la chose suivante. On est sur une position qui n'est pas trop grande, simplement ici. Ça marche juste là. Ce que je fais, c'est que je laisse tomber mon pied un peu plus grand devant et je le ramène. Un peu plus grand et je le ramène. On se fait ça 10 fois. Okay, le corps tombe. 1. Je ramène. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ça roule. Ce que je veux maintenant, c'est me retrouver dans cette position-là, mais là, devant. Okay. Donc, je vais jouer à ça pour commencer. 1. Et une fois que je suis ici, au lieu de ramener,
Toi, tu es ici, je vais ramener l'arrière. Et je ramène. Donc, ça me fait 1, 2. Et je reprends la position de départ. Donc, j'ai la même position. 1, 2. Ça roule. Et je ramène. 1, 2, 1, 2. Pensez à chaque fois aux montées et descentes qu'on a vues plein de fois ces derniers cours de Shikodachi. Ici, hop, ça serre. Ici, je lâche. Comment Shiko? Ça serre. Lâche pour aller devant. 1, serre. Lâche, serre. Lâche, serre. Lâche, serre. Lâche, serre. Lâche, serre. Lâche. Serre, lâche, serre. Ça va, vous voyez l'idée? Bah, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire cette chose-là, mais avec les deux pieds qui bougent ensemble, les deux pieds qui vont glisser ensemble. On n'aura plus 1 et 2. On va essayer d'avoir 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un seul temps. Compliqué, mais fondamental. Donc, on essaye avec la jambe gauche devant, si vous voulez bien. Pas la peine d'être sur une trop grande position. On est tranquillement ici. On essaie juste de se dire que cette partie-là du corps va avancer. Elle va avancer. Et le corps va suivre. Ça va reculer. Et le corps va suivre. Donc, 1, 2, 1, 2. Et je garde ma hauteur. Hein. Cette fois-ci, 1, 2. Et je suis présent. Je suis bien sur mes jambes. 1, 2. 1, 2, 1, 2, ensemble, boum, 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 tout le corps ensemble. Ça marche? On a ça en tête, on va se mélanger ça à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on se fait notre petit maïri, on pose, et une fois qu'on a posé, quand on va faire notre gyakku, on va déplacer le corps. Donc, j'étais ici, tranquillement. On m'a guéri, je pose, et une fois que je suis posé, mon corps repart devant, et là, il y a mon gyakku qui s'en va. Ça marche. Donc, on se refait doucement, tranquillement ici, pardon, là, Kelly, posé, corps est vivant, posé, et il repart encore devant. Il ne s'arrête pas, il est posé, le souffle repart, et ça repart devant avec un gyakutsuki. J'ai toujours ma garde ici. Donc, si je suis de face, ça va me donner ça. Et allez-y à votre rythme, pas la peine d'aller vite. 1, poser, bouger, ramener. On ramène, on ramène. On change de côté. On y va doucement. Attendez, j'ai des messages. Ok. On y va tranquillement. Donc, on pense bien à nos histoires de garde. Je ne tire pas mes équités. Mon Kelly, je pose, mon corps qui continue d'avancer et en même temps mon Tsuki qui se lâche. Ça marche? Doucement. 1, poser, bouger, lâcher. Et on revient tranquillement. 1, 2, et ça relâche. Ok, vous voyez bien, petite chose avant qu'on le fasse un peu plus rapidement. Quand je fais mon travail ici, mon bras, il est là, accroché, ce bras droit. Et quand je bouge le corps, il part avec. Il part avec, et quand le corps revient, ce bras revient. Il part avec, le corps revient, le bras revient. Il part, le bras revient. Il ne revient pas jusque-là, hein. Il reste devant, mais coude, on reprend. 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 Ça marche, donc pensez bien à cette notion-là. C'est mon corps qui tombe, il a frappé, c'est mon corps qui revient et mon bras qui suit mon corps. Un, et le bras suit. Un, et le bras suit. Un, et le bras suit. Un, mon bras suit. Pam, pam. Amusez-vous juste quelques secondes à ça, tranquillement, chacun son rythme. Ces notions-là, notion de glisser, déplacement de Tsuriyashi, avec cette idée du bras qui bouge en même temps, et le corps bouge, le bras revient. Et tout ensemble, tout ensemble. 1, 2, 1, 2. Bougez juste comme ça, tranquillement.
chacun son rythme. Pam, 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 pam. Et quand vous le sentez, l'autre côté, pam, 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 pam. Et on revient tranquillement. Respirez bien. Donc, on va s'amuser à ce travail-là avec notre magiri, posé, glissé, gyakutsuki, et on reprend la position doucement. Donc, on est là. Kei, posé, glissé, ramener, revenir. Ça va? Donc il y a autant d'intention quand on avance, quand on recule. L'intention, dans ma tête, c'est la même sensation. 1. Pause. Le corps retombe. 2. Le corps revient. Et le corps bouge. Tranquillement. 1. Pause. 2. Bouger. On revient. 1. 2. Bougez, on revient. Ça marche. Essayez de travailler ça 4-5 fois à votre rythme. Je préfère pas compter, chacun son rythme. Tranquillement, on y va là-dessus. S'arrête tranquillou. Ok, on se fait la même chose simplement. Après mon gyakutsuki, en reculant, je vais venir avec mon bras gauche bloquer un peu ma tempe gauche. Donc ça va ressembler un petit peu à ça. Je suis là. 1. Posé. Le corps avant son corps. 2. Et là, au lieu de revenir en garde ici, je reviens en blocage ici et je change. Sur le côté, 1, 2, le corps bouge, le bras est venu bloquer et je change. 1, 2, 3, et je change. Bien, je ne suis plus dans la canne. On y retourne. 1, décale, décale, blocage, j'ai toujours ma main droite bien ici et je reprends ma garde. Donc amusez-vous pareil à ça. Quelques fois d'un côté, quelques fois de l'autre. Je compte pas. Quand votre bras, après avoir frappé, revient avec le corps, il revient avec un léger blocage ici. Et il retombe, tranquillement. Le blocage est hors vue. Le blocage est hors vue. Ok, Michan. C'est juste le cadrage. Ok. Je sais pas comment faire. Oui, montrez la tête. Et on va voir ta main. Là. Ok. Donc, je suis ici, je vous garde de ce côté-là, hop, 1, ma frappe, mon corps, et quand je ramène le corps, mon bras remonte ici tranquillement, ok, et je reviens, okay. Et je change. Ça marche? Oui. 1, pause, lâche, et quand mon corps revient, quand je fais mon mouvement pour repartir derrière, le bras, le coude revient, mais il monte légèrement. Parce que j'ai un truc qui va m'arriver là. Et je repasse et je change de côté. C'est OK? On s'amuse à ça tranquillement. Donc, je vous laisse travailler quelques secondes à votre rythme. Les deux côtés. Moi, je suis l'autre côté.
Et on s'amuse tranquillement. Ok. Petite précision. Ce que je vous montre là, c'est du formalisme dans quelque chose qui n'est pas formel. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Là, je suis en train de travailler deux pas, en fait. Je fais un premier pas avec ma jambe ici et un second pas ici. Je fais un pas et un deuxième pas. Quand je dis pas, c'est deux déplacements. Ça marche. Ce travail-là, ce qu'on est en train de faire là, c'est Lorenzo Kuhn du Kata Saifa. Lorenzo Kuhn du Kata Saifa, c'est pour ceux qui attaquent. On va faire après ceux qui défendent. Ce que je veux dire par là, c'est que Sensei voit un Renzo Kuhn comme une notion de combat, comme quelque chose qui ne s'arrête pas. Donc, si mon partenaire, quand je fais mon coup de pied, ne bouge pas, je ne vais pas remarcher sur lui. Ok ? Ça veut dire qu'il faudra bien penser, quand on fait les Renzo Kuhn, à ces notions-là aussi. La base, elle est ici. Normalement, le partenaire doit faire deux pas en reculant. Mais il est possible qu'il n'en fasse qu'un. Donc, s'il n'en fait qu'un, ici, quand j'ai posé, il est resté là. Je ne vais pas réavancer sur lui. Ça n'a pas de sens. S'il est posé là, je rentre directement ici et je repars tranquillement ici. Il faudra toujours penser à ça. Un Renzo Kuhn, ça travaille avec un partenaire et on joue ensemble tous les deux. Donc, si lui fait n'importe quoi, moi, je ne fais pas n'importe quoi. J'essaie de le suivre au mieux. Mais je garde mon idée de déplacement. Ça marche ? Ok, donc ce mouvement-là, ce qu'on vient de faire ici, que je remontre. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la première attaque du Renzo Kuhn de Saifa. Je voudrais maintenant qu'on travaille sur la partie Uke, donc ce que fait le défenseur. Donc première chose, on a vu que l'attaquant faisait deux avancées. 1, 2. Donc ça veut dire que moi, en tant que défenseur, je vais conserver ma distance par rapport à lui. Ça va être ça aussi l'idée du Renzo Kuhn. Nos deux distances seront tout le temps bonnes, tranquillement. Il avance, je recule. Il avance, je recule. Avance, je recule. Donc ça veut dire que mon travail à moi, ça sera de faire, quand je suis en garde ici, quand il arrive sur moi, 1 et 2. Et je reviens dans ma position, 1 et 2. Donc, le travail fondamental pour Uke, c'est faire deux pas derrière, deux pas devant avec des pas glissés. Donc, je glisse, 1, je glisse, 2. J'ai toujours la force dans mon ventre. Hein. Je suis stable ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme on l'a vu tout à l'heure, tout vient ensemble. Ça marche. Donc, on va juste s'amuser à ça. Ce petit déplacement sur deux pas. Donc, tranquillement, on va se dire qu'on est ici, jambe gauche devant. Je vais faire mon premier recul. Je suis en garde ici. Pour l'instant, je suis juste en garde. 1, 2, 3, 4. Simplement ça. Et on repart. 1, 2, 3, 4. Et on repart. 1, 2, 3, 4 et on repart. 1, 2, 3, 4 et on repart. 1, 2, 3, 4 et ça repart. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et ça bouge comme ça tranquillement. Pareil, amusez-vous ce mouvement-là, doucement. Soyez pas trop formaliste. Si vous sentez qu'il n'y a pas de ventre, tout ça, vous en fichez un peu. C'est juste cette histoire de se déplacer sur deux pas pour le moment. On essaie d'avoir en tête. Donc, côté droit, côté gauche, même chose. Oups. Même chose. Ça bouge. 1, ça bouge. 2, ça bouge. 1, ça bouge. 2, mais je suis toujours en garde. 1, 2. 1, 2. Le bassin n'est pas de face, hein, je suis légèrement de 3 quarts. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itch. Ni, san, chi. Itch, ni, san, chi. Et ma hauteur reste tout le temps la même. Hein. Je ne vais pas monter, descendre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itch, ni, san, chi. Ça reste. Ok.
Une fois qu'on a ça, on va imaginer ce qui se passe au niveau du partenaire. Donc la personne qui est face à moi et qui fait les mouvements qu'on a fait nous tout à l'heure, Magiri, posé, Gyakutsuki. Ça va? Donc je pars ici tranquillement par rapport à lui. Il a sa jambe gauche devant. Il frappe jambe droite, Magiri ici. Ok, donc si je reste sur place là, je prends un Magiri. Et si je ne bouge pas, je mange un Magiri. Donc je vais simplement travailler là. Je suis ici. Je vais d'abord penser à ma distance par rapport à lui. Je ne pense pas à mettre ma main devant. Je ne pense pas à bloquer un Magiri. J'ai ma distance. Il bouge sur moi. Il rentre. Je prends ma distance. Sauf qu'au moment où je prends ma distance, mon bras tombe. Pas plus loin que ça. Il tombe juste ici. Tombe. Et il revient un peu vers mon corps. Mon bras revient un peu vers mon corps. Ok, je ne suis pas en train de le pousser. Je suis en train de l'absorber. Hop. Vous avez vu, ma main droite, elle reste bien ici en garde. Hein. Elle n'a pas bougé, pas de liquidité. Tranquillement là, 1. Et on ramène. 1. Imaginez le Magiri qui rentre. 1. 1. Ok. Pam. 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 Ça va pour tout le monde? Donc, première chose, c'est ce mouvement-là. Deuxième mouvement, j'ai évité le Magiri, mais j'ai laissé travailler mon partenaire. Je n'ai pas empêché mon partenaire de travailler. C'est ça que Sensei demande dans le Renzoku. On n'empêche pas l'autre de travailler, surtout pas. Il fait ses techniques, je fais mes techniques, sauf qu'on les fait ensemble de façon harmonieuse, efficace, mais harmonieuse. Je n'écrase pas le partenaire, c'est trop facile de rester sur place et de rentrer directement. Tout le monde peut le faire. On ne fait pas ça, ce n'est pas un Renzoku. Donc, on est tranquillement ici. J'ai bien ma garde. 1. Il réavance s'il veut. Et je vais travailler donc ici avec une réabsorption, encore une fois. Et cette fois-ci, ma main droite va venir bloquer. Là, ma main droite, elle se pose sur le gyakutsuki qui arrive. Donc, elle est près de mon corps ici. Le gyaku arrive là. Ça marche. Et ma main gauche est restée en garde. On y retourne. 1. 2. Ça marche. Et on repasse. 1. 2. Et on repasse. 1. 2. Et on repasse. Vous voyez que ma main gauche, elle n'est pas restée en bas, elle est revenue se mettre en position de garde, toujours. On y va. 1. 2. Là, j'ai fait un léger blocage. Encore une fois. 1. 2. Ma main est ici. Cette main-là, je vais la garder là. Et comme je vais avoir à réavancer mon corps, lorsque je réavance mon corps, je vais libérer ma main. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Vous me dites si vous me voyez un Yumi. 1, 2. Et là, je libère le corps. Donc je réavance. Voyez là, mon bassin, il a légèrement tourné. Parce que j'ai absorbé quelque chose. Donc je suis légèrement tourné, comme on faisait tout à l'heure pendant l'échauffement. Le genou ne bouge pas trop. Légèrement tourné. Et quand je repasse, le bassin revient et mon bras va se lâcher. Mon bras droit est toujours là. Le corps avance encore et mon gyaku se met en place. Ok, donc je vais avoir deux déplacements en arrière, deux déplacements en avant. Et à chacun des déplacements, j'ai des techniques qui interviennent. Si je fais le truc super basique, ça donne ça. Très basique, c'est 1, 2, 3, 4. Et on reprend la garde. On va le faire très basique. 1, 2, je bloque. 3. Et 4, et je reprends ma garde. 1, 2, 3, 4. Ça marche. Quand vous avez ces sensations-là, basiques, vous vous amusez à faire ces mouvements, donc ces 4 mouvements de déplacement, sans vous arrêter, en fluidité complète. Peut-être juste une petite vue sur le Hodaken. Oui. Dans ta gueule. Aïe. Aïe. Putain, je suis où? Je pars de là. Ok, alors il faut que je regarde la cam, je ne sais pas sinon je peux le faire. Donc je suis ici. 1. Le gyaku arrive. Le mec avance encore sur moi. Mon bras est là. C'est avec cette partie-là du bras que je vais bloquer le gyaku. Hop, j'absorbe. Normalement, c'est main ouverte, hein, tranquillement ici. Ok, tranquille, tranquille. Vous voyez, le bassin bouge. J'absorbe tranquillement. Hop, je suis ici. Quand le corps repart, maintenant, je ravance sur lui. Le corps repart, mon bras est là. Ou la cam. Mon bras droit est toujours là, je bouge encore, bien, bien. Donc, toujours la garde. 1,
2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. C'est visible, Yumi, là, c'est bon ? Merci, oui. T'en prie. Donc, travaillez ça, tout le monde, à votre rythme à vous, mais essayez de le faire sans vous arrêter. Je ne m'arrête pas. 1, 2, 3, 4. Même si je ne fais pas trop vite, je m'en fiche, mais je ne m'arrête pas. 1, 2, 3, 4. Je ne m'arrête pas. 1, 2, 3, 4. Je bouge. 1, 2, 3, 4. Je bouge. 1, 2, 3, 4. On ne s'arrête pas. 1, 2, 3, 4. Travaillez comme ça sans bouger, enfin en bougeant, pardon, mais sans vous arrêter, d'accord ? Je ne suis pas sur un travail de bunkai de base, donc je ne suis pas en train de faire 1, 2, 3 et 4. Ce n'est pas ça du tout l'idée, c'est de la fluidité du mouvement du déplacement, mais tout le temps un centre de corps et les membres qui bougent avec le corps. C'est ça qu'on cherche pour l'instant. Ça roule ? Donc, si on se mélange tout ça, on reprend. On se refait une fois une petite attaque. Avec vraiment ce principe, l'attaque se fait sur deux avancées. Avancée de jambe, puis avancée de bras. Donc on reprend l'attaque. Tranquillement ici. J'attaque. Je pose. Je vais le chercher parce qu'il a reculé encore. Gyaku. Je reste bien en position et je ne m'arrête pas sur mon gyaku. Mon gyaku est lâché, mon corps repart tout de suite parce que j'ai un hulaken qui arrive dans ma gueule et qu'en même temps, il est en train de bouger le corps. Donc, je bloque le hulaken. Ma main droite reste bien en garde. Il rentre en gyaku tsuki et je pose le bras pour le gyaku. On ne tape pas, on ne bloque pas. On pose juste le bras devant pour le gyaku. C'est le corps qui a absorbé. On y retourne. Donc, keli, 1, tsuki, bloc, et on reprend la gueule. Ça marche. Amusez-vous à refaire cette attaque-là de cette façon-là. Pareil, sans vous arrêter. On ne s'arrête pas. 1, 2, 3, bloc, revenu. 1, 2, 3, bloc, revenu. Tranquillement cette chose-là. Et une fois que vous avez visualisé cette attaque, vous pensez à votre défense. Donc maintenant, retravaille la défense. Vous la sentez bien, votre défense. Vous avez vu ce qui arrive en face de vous, vous savez quelle est l'attaque, c'est codifié, mais en revanche, ça peut aller vite, ça peut aller lentement, il peut faire des grands pas, des petits pas, ça j'en sais rien. Donc mon corps est tout le temps présent. Et j'y vais. 1, 2, 3, 4, et je ramène tranquille. Je prends ma distance par rapport à lui, je suis bien, et il recommence. 1, 2, 3, 4, et on ne s'arrête pas. 1, 2, 3, 4, et on ne s'arrête pas. 1, 2, 3, 4, et on ne s'arrête pas. On bouge, tranquille, itch, ni, un, chi, et on ne s'arrête pas. Bouge, itch, ni, un, chi, et on ne s'arrête pas. Ça marche ? Il n'y a pas d'arrêt, on est tranquille, on est bien. Pour l'instant, je vous dis, on s'en fiche si vous ne sentez pas de force dans le corps, on s'en fiche complètement, mais pour l'instant, ne crispez rien, ne crispez pas le corps, partez simplement sur la notion de mouvement. Alors, juste un tout petit mot quand même. Pourquoi les Renzoku ? Il faut demander à Sensei, mais l'idée, elle est quand même assez claire. C'est cette notion de mouvement. Alors, souvent, on se trompe beaucoup quand on pense mouvement en termes de déplacement. Quand Sensei dit « je veux que les gens se déplacent plus », il ne veut pas simplement dire qu'ils se déplacent au niveau du sol plus. Il veut dire que le corps se déplace, le corps bouge. Donc, pensez-le plutôt en termes de mouvement de corps qui ne s'arrête pas, plutôt qu'en termes de juste de déplacement. Parce que si on fait des déplacements, on peut très vite tomber dans un truc qui est très compétition, et on pense qu'au déplacement, puis il y a des mouvements de bras. Non, c'est un corps entier qui va travailler. Tout ce qu'on a fait avant, au début du cours, tout ça, tous ces exercices, là, il suffit que je me mette en garde ici, que le gyaku arrive, ici, là, je suis dans mon travail. Ça marche, je suis dans mon travail. Il suffit que je pense à, après, rouvrir mon bassin, ou la ken sort. Donc, 1, 2, là, 1, 2, 1, 2, 1, ouvre, lâche, ok ? Donc tout ce qu'on a fait avant, c'est ça. Et le Renzoku, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que le kata demande et qu'est-ce qu'on lui demande à nous, qu'est-ce qu'on lui donne.
Donc, pour revoir la chose, dans le sci-fi, je suis ici. 1. Donc, il y a cette idée de ça, ça revient par l'arrière, par là. 1. Donc, dans le réseau cool, c'est ça qui fait ça. C'est la même sensation. 1. 1. 1. Même sensation. Le corps va bouger. Pam, pareil. Pareil. Mais le corps bouge différemment. Dans le kata, je suis là. Et ensuite, je suis là. OK. 1. 2. Même chose. Mon bras, dans le kata, il fait ça. Avec mon corps qui descend. Mais là, ça va être pareil. 1. 2. Sauf que je vais travailler avec l'ouverture de corps. Ça marche. Mon bras arrive ici. Oulakène. Au lieu de faire oulakène très formel là, ben juste je vais le laisser partir dans un mouvement qui réavance. 1, 2. Au lieu de penser ici, je vais le penser. 1, 2, 3. Je vais suivre. Donc si je suis en position moins formelle, 1, 2, 3. Okay. Et là, il rajoute bien coup juste pour rigoler. Ça va? OK. Première partie du Renzoku de Saifa, c'est ces petites choses-là. On le refera jeudi soir. Pour l'instant, je voulais juste travailler un peu ça. On se fait un tout petit peu, si vous voulez bien, la deuxième partie du Renzoku de Saifa, qui aussi demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au niveau du bassin et du corps ici. Donc, c'est fondamental. Je mets de côté l'attaquant, on va le faire une fois ou deux simplement. L'attaquant va être en position de garde, il va me faire en avançant coup de poing plexus, coup de poing plexus. Vous voyez tout de suite mes bras, hein. Dans le Renzoku, je n'aurai jamais 1, 2. Et surtout, ce qu'on voit souvent, c'est ça. Pas jamais, jamais. Hein. On est tranquille, ça lâche, ça revient. Ichi, ça revient. Ichi. Et ça revient. Boum. Ça revient. Fais lâcher. Frappe, frappe, ramène. Ça va? Ça, c'est ce que fait l'attaquant. Tsuki, tsuki, chulan. Ici. Mais tout le temps, ça ramène. Frappe, ramène. OK, nos katas de base. Boum, boum, ça revient tout de suite en garde. On met de côté ce travail-là pour l'attaquant. Je voudrais qu'on fasse un peu le défenseur. Alors, la partie du kata. Ça va être cette partie où on a Sukyuke, ici, Bakeli, ici, puis, hop, hop. Ça marche, sur le kata ressemblerait à ça. 1, 2, 3, 4. Ce qu'on va faire, nous, c'est la chose suivante. On va travailler de manière complètement harmonieuse le mouvement du bassin avec le mouvement du coude. Je suis ici, tranquillement. Pardon, je vais le faire comme ça. OK. Hop. Je ne sais pas comment mettre par rapport à vous, pour que ce soit le mieux. Je vais me mettre là. OK, je suis en garde. J'ai mon attaque qui arrive ici. Il attaque bras droit, chulan. Mon coude et mon bassin bougent ensemble. Ensemble. Ça, le plus important ici. Vous êtes là. Bougez ensemble. C'est pas 1, 2. C'est pas 1, 2. Il bouge vers moi, il rentre. Oitsuki absorbe tranquillement ici. Ma main droite est restée en garde. 1. Là, j'ai bloqué Tsuki. 1, j'ai bloqué Tsuki. Le deuxième Tsuki arrive ici. J'ai ma main droite qui est en garde, juste elle monte. C'est bon. Pas plus. Là, je fais pas de truc formel dans le Renzoku, hein. Je suis vraiment simplement avec l'idée du kata. 1, 2. Et ça, c'est de nouveau en garde, tout de suite. Et ça, ça peut être fermé tout de suite aussi. Donc, on se fait ça tranquillement. L'important, c'est que le bras tombe pendant que la jambe recule. 1. Et ça revient. 2. Et ça revient. Ça tombe. Boum. Ça tombe. Donc, si je fais le formalisme du kata, ça va me faire 1, 2. Mais je ne vais pas travailler comme ça. Je vais travailler beaucoup plus. En intention, 1, mon bras est là, le tsuki arrive, 2, je bloque le tsuki. Ma main revient directement. Je lâche Kelly, je pose derrière. On va juste faire ce petit passage là. Donc, reculer la jambe avec le bras qui tombe en même temps.
Montez le bras droit, tranquillement. Revenir en garde. Coup de pied, on repose bien derrière. Juste ce passage-là. Donc, si je suis face à vous, ça donne ça. J'ai l'attaquant qui arrive. 1, 2, 3, et je suis en garde. Et on y va. Bloc, bloc, frappe. Pardon, pause derrière, je suis désolé. Gauche devant, bloc. Bloc, j'ai repris ma garde, lâche derrière. Bien stabilisé derrière. Encore une fois. Bloc à gauche, bloc à droite, je suis en garde. Kelly, je repose derrière. Ça marche. Faites-moi juste ce travail-là, mais restez bien en garde. Pas de quitter, s'il vous plaît. Pas de quitter et pas la peine de faire des jolis blocages. On s'en fout complètement. Je veux juste une sensation de corps. 1, 2, 3. Et ça repose. Corps. 1, 2, 3. Et ça repose derrière, pardon. 1, 2, 3. Et ça repose. Ça marche. Donc les bras sont détendus. Si le corps est présent, il y aura de la lourdeur dans le bras. Il n'y a pas de souci. On ne s'inquiète pas par rapport à ça pour l'instant. Et on y va tranquillement. 1, 2, 3 et 4. Et on repose. Ça marche. Pareil de l'autre côté. Je vais travailler avec ma jambe droite devant. Il fait l'attaque de la même façon. Bloc, bloc, jambe, pose derrière. Et on reprend la garde jambe droite. Tombe, bloc, lâche et on repose bien derrière. Donc mon bassin n'avance pas. Pourquoi je tombe avec mon coup de pied? Je repose derrière. Ah, on est bien posé en bas, on est bien stable en bas. Tout le corps a bougé ici. Hein. Ça bouge, ça bouge. 1, 2, lâche, pose. Et on y retourne. Tout bouge. Pam, bougez, bougez, lâchez, bougez. On est stable et en même temps, ça bouge. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. On est bien ici. Faites-le une ou deux minutes tranquillement à votre rythme, côté droit, côté gauche. Et on passe à la suite tout de suite après. Est-ce que j'ai des gens qui m'ont écrit des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok. Hop. Hop. Ça va? Ok, la suite. La suite. Je fais mon mal guéri. Un, deux, trois, ici. Je fais mon mal guéri, il bloque mon mal guéri et il revient sur moi en gyakutsuki. Ça marche? Il revient sur moi en gyakutsuki. Donc, mon travail, ça va être de faire comme dans le kata, ce passage. Bloque. Lâchez, bloc, lâche, bloc, lâche. Évidemment, je ne vais pas faire de cette façon-là, mais l'idée, c'est celle-ci. Donc, je vais être ici tranquillement. J'ai bloqué Tsuki, j'ai bloqué Tsuki, je suis de suite en garde, je fais mon maguiri, mon bras droit n'a pas bougé. Je pose bien mon corps tranquillement, je protège toujours le corps, le coup de poing arrive, ici, et là, je travaille avec ce bras gauche. Ça marche, mon bras gauche ici, il va se poser, je vais absorber. Donc j'absorbe, ça veut dire que mon bassin tourne, mon bras gauche ne bougera pas. C'est mon bassin qui va tourner, mon bassin qui va tourner. Et ensuite, je vais réengager mon bassin, tranquillement. Voilà, donc tout doucement, ça me fait 1, 2, 3. Ce bras reste devant, il vient bloquer, il est là, le point ici. Le bras ne va pas le sortir tout de suite. C'est ma hanche, là, qui va s'ouvrir, là, 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 là. Tout le corps qui va venir bloquer, là. Tout mon corps qui enroule, et ça va lâcher. Mon corps enroule, j'enroule avec le bassin qui bouge, hop, fermeture du bassin, lâcher, et on décale, lâcher. Ça marche? Donc, ce qui est vraiment fondamental ici, c'est cette notion de quand je suis là, je suis revenu après mon maguiri, j'ai le bassin qui est droit, c'est mon bras là qui est resté en garde et ce bras il va juste bouger avec le bassin. Donc j'ouvre le bassin comme on a vu pendant l'échauffement
Le genou ne bouge pas, c'est juste mon bassin qui tourne et mon bras qui va suivre. Mon bras qui suit le corps, mon bras droit suit le corps. Là, j'ai sorti le bras, je peux ramener mon fémur et frapper. Donc, ici, je suis en garde, ça bouge, ça s'ouvre, ouvre, 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 ça ne s'arrête pas, ouvre, 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 ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ça va pour l'idée, donc on essaie vraiment de penser à cette ouverture de bassin, fermeture de bassin, ouverture de bassin qui fait bouger le bras, hop, ça lâche, ouvert, fermé comme vous le sentez. On s'en fiche un peu pour l'instant. On essaie juste ça, donc on enchaîne ces mouvements. Je vais repartir avec ma jambe gauche devant. On est ici, tranquillement. Le corps absorbe, hop, ensemble. Ensemble, le bras est devant, il bloque encore une fois. Si ça arrive trop fort, je peux réabsorber légèrement mon corps, il n'y a pas de souci, on bouge sur Renzoku, donc je bloque. Je suis posé sur ma jambe droite, je laisse partir. Mon bras gauche est là, tout de suite il vient ici. Et le corps bouge maintenant, et ça repart. Je décale, et ça reprend. Ça va, on essaye, on y va tranquillement. Hop, 1, 2... 3, pose, le bras est déjà là, absorbe avec le corps, bouge, décale, bouge, et on reprend. Encore une fois, doucement, 1, 2, 3, le bras est déjà là, il n'y a pas d'équité, 4, il n'y a pas d'équité, et 5, ça marche, je remonte, doucement, 1, 2, 3, 4, 5, et le bassin retourne encore une fois pour venir frapper et ça relâche. Encore. 1, 2, 3, 4, et ça relâche. Donc pareil, essayez de travailler ça à votre rythme. Pas la peine d'aller vite, pas la peine de mettre de force pour le moment, mais surtout essayez de ne pas arrêter le mouvement de corps. On n'arrête pas le mouvement de corps, c'est un mouvement de corps qui ne s'arrête pas, qui est continu. Pam, 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 pam. Ça ne s'arrête pas. Pensez pas à la force pour l'instant. Ça ne s'arrête pas. Votre ventre bouge, votre corps bouge. La force viendra de votre centre, pas de vos bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous y allez tranquillement. 1, 2, 3. 6. Et on y va. Pam, 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 pam. Et on y va tranquillement. Quand vous êtes à l'aise sur ce côté, travaillez l'autre côté. Les principes restent les mêmes. Je fais avec la jambe droite devant. On est ici. Je suis en garde. Absorbé avec le bras qui tombe. 1. Toujours ma garde. 2. J'ai repris ma garde. Mon kéli, je pose. Mon bras là va venir bloquer. Je suis en garde ici toujours. Ouverture, fermeture, décalé, ouverture, lâcher. Bon, ouvre, ferme. Ouvre pour bloquer, ouvre pour frapper. Ouvre pour bloquer, ouvre pour frapper. Ouvre pour bloquer, fermé pour frapper et réouverture pour frapper. On y va ! J'en droite devant. 1. 2, 3, ouverture, fermeture, ouverture. Et on remet. Et l'autre jambe. 1, 2, 3, le corps lâche, lâche. 1, 2, 3, corps, pam, pam. Et on reprend une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on reprend tranquillement. Ok. Yamé. On s'arrête pour cette partie-là, si vous voulez bien.
Je rappelle deux petits points, je parle un tout petit peu. Je n'ai pas assez parlé ce soir. Je rappelle un tout petit peu. Donc, cette notion du Renzoku, pour Sensei, c'est un travail qui est très intéressant et très important dans son optique à lui, et que souvent nous, on comprend mal. On comprend mal ce qu'il veut avec, avec les Renzoku. Mon opinion, c'est que ce qu'il veut, c'est ça, un corps qui soit en mouvement constant, 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 constant. Donc, on casse un peu les structures de base qu'on a apprises. Le fond reste conservé, on conserve la présence, la puissance, la vitesse, toutes ces choses-là, ça reste. Mais le corps est beaucoup plus détendu, enfin détendu, le corps est tout le temps détendu. Le corps a le droit de bouger plus. Il a le droit, en tout cas tel que Sensei, il a un travail super félin là-dessus. Super, c'est un tigre, quoi. Donc, c'est vraiment, ça bouge, tout bouge, tout bouge, tout le temps, tout le temps. Et donc, surtout, ce qu'on conserve en tête, c'est bien ces notions de garde. On reste tout le temps en garde dans un Renzoku. Il n'y a jamais d'équité. On reste en garde tout le temps. Tout le temps, ça bouge, tout le temps présent, tout le temps présent. Ça, c'est fondamental. Et l'autre chose fondamentale, c'est que chaque partie du kata demande quelque chose. Il a un goût particulier. Le goût particulier de la première partie de Saifa, pour Sensei, c'est ces notions de absorber, absorber. C'est ça qui va compter pour lui. Là, j'absorbe. Là, j'absorbe. Comme quand je monte, c'est une sorte d'absorption. Donc pour lui, c'est ça qui compte. Ça. Ça marche. Ça, c'est le point le plus important. Dans la deuxième partie, ce qu'on a fait après, c'est cette idée de bras et de corps qui bougent ensemble. Si mon bras bouge, il ne bougera pas tout seul. Il y aura tout le temps mon corps qui va bouger avec. Et là, c'est bien mon corps qui bouge et mon bras bouge. Mais tout le temps avec ma garde. Donc, c'est comment bouger avec des gardes qui restent en place. C'est ça, mon exercice. Okay, donc, pour ça, c'est lui qui est important. Enfin, pour Sensei, c'est cette partie-là qui est importante. Bouger un bras avec un corps. Ok. Et si je fais ce mouvement-là, vous remarquerez que quand je suis en garde ici, que je recule ici, ok, quand je fais simplement ça, donc la première partie, bloquée en bas, ben en fait, c'est exactement comme quand je suis là. Là, je bloque en bas. Et si je suis en position ici, je vais faire le même mouvement de corps, mais je vais bloquer ici. Ici, ouverture, lâcher, ouverture, lâcher. D'accord. Donc, ce qui va compter ici pour Sensei, c'est cette partie-là du corps. Cette ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. C'est les points les plus difficiles dans cette partie-là. Ok, ça marche. Voilà. Jeudi soir, on continuera sur la fin du Renzoku de Saifa. On reprendra ces parties-là, mais on commencera par la fin du Renzoku. Et puis, on mettra après en place ces trois choses-là. Ce n'est pas évident de travailler le Renzoku tout seul, je suis bien d'accord, mais Sensei souhaitait qu'on le travaille de façon un peu plus détaillée, un peu plus tranquille, pour qu'on l'ait bien dans la tête et qu'on essaie d'avoir les fondamentaux, enfin ce qu'on cherche vraiment quand on fait un Renzoku. Voilà, j'espère avoir été clair, sinon posez-moi toutes les questions que vous voulez. On se termine par Sanshin Tencho, comme d'habitude. Hop. Sanshin deux fois, on se fait Sanshin sur une seule ligne pour commencer, on ne fait pas le demi-tour, je suis pas sûr d'avoir la place. Sanshin ? Oui ? Oui ? Petite chose, hein. Ce qu'on fait là dans Sanshin, si vous accélérez ces mouvements-là, vous retombez dans ce qu'on vient de faire avant, c'est-à-dire ces histoires de tsuki et de revenir directement en garde. Boum, boum. Okay, sauf que là, c'est formel, mais l'idée, c'est vraiment ça. Ça ne s'arrête pas, ça revient de suite. Donc, il n'y a même pas d'arrêt ici. Ça souffle,
ça ramène. Ça ne s'arrête même pas, ça repart tout de suite sur de la respiration. Encore une fois, si vous voulez bien. Oui. Si. Je prends de l'air. Je garde l'air. Ok, on se fait une show. Dernière fois. Inspiration longue. Expiration longue. Inspiration courte. Expiration courte. Inspiration longue. Expiration longue. Inspiration courte. Un tiers. Inspire un tiers. Inspire un tiers et relâche. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, 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 expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, 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 expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, 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 expire. Expire, expire, expire. Et on remet. Ok. Et on repart comme au début, si vous voulez bien. On prend quelques minutes pour
retrouver notre posture de corps, notre sensation de corps. On est bien stabilisé, bien posé. Et tout doucement, on laisse aller devant. On laisse aller derrière. Essayez de sentir si vous êtes mieux dans le mouvement. Si le corps est plus compact, plus lié, mieux structuré. Et on y va. Et relâche tranquillement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tranquille. Bouge un peu, hop, hop, hop. Sentez, le bassin monte, l'épaule descend. Bassin monte ici, bassin descend, l'épaule monte. On joue à ça, itch. Ni, ça, chi, go, ok, itch, atch. Et on part tranquillement, itch. Ni, ça, chi. Go. Ok. Et on s'arrête là pour ce soir. Pareil, je fais un petit salut en Seiza pour ceux qui veulent. Seiza. So. Mais, hey, kids, merci tout le monde. Hop, c'est top.